Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Donc nous sommes dans la ZME, hein. J'ai donc un peu avancé, hein. Je suis après le premier live que j'ai fait en termes de chronologie, on va dire. Et donc j'ai l'intention de faire avec vous la mission, la première mission qui permet de débloquer les patrouilles, vous savez, via la mission de Cade 6. Qui doit se dérouler dans... Voilà, bah c'était par là, je pensais que j'en serais beaucoup plus proche. On y retourne. Ce n'est pas grave, hop les. Et là, on est bon. Et donc, patrouille. L'avant-garde utilise des balises de patrouille pour gérer le déploiement des gardiens dans tout le système solaire. Puissance 60 conseillers, 160 conseillers. Récompense à débloquer. C'est parti. Je remplace Kate. La Légion a endommagé le canal sécurisé que vous autres gardiens utilisez pour vos patrouilles. Bien sûr, Cade n'a laissé aucune instruction. Je vous suggère donc de malmener quelques cabales. Oh, d'accord. À tous les gardiens proches de la base cabale, un catch rempli d'éther s'approche de votre position. Ok. Intéressant. Donc les catchs, c'est sans doute ce type de vaisseau, comme on a pu le voir précédemment. Ça, c'est un événement. Donc on va aller se faire les légionnaires. Voilà. Alors comme j'ai dit dans le live déjà, je n'ai potentiellement pas trop le... comment le... disons l'équipement... boum, adéquat. Enfin, qui m'est en fait le plus efficace si je puis dire. Et donc du coup ça me gêne un peu. Là, le pistolet que j'ai, je ne le trouve pas efficace du tout. Bien sûr, ça va changer, hein, vous inquiétez pas. On va évoluer sur un stuff. Et forcément, un stuff qui sera en rapport avec la méta. Mais la méta PVE. Pour moi, c'est important de jouer PVE sur ce jeu. Vu que c'est vraiment l'aspect qui me tente le plus. Donc, à voir quand nous serons rejoints par d'autres personnes pour le clan, par exemple. Le clan que je peux montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous pouvez le rejoindre, hein. Bon, j'ai un problème de répertoire aussi, je ne sais pas trop pourquoi ni comment. Bon, le jeu est peut-être buggé un petit peu sur les bords. C'en est un là-bas? C'en est un. Cool. Et donc oui, donc là c'est parce que c'est mon gardien qui m'indique, mon spectre qui m'indique les ressources, pardon. Autant pour moi. Je sais que j'ai trouvé des... voilà. Oh d'ailleurs, c'en est un qui va donner un coffre, ça. Bonjour. C'est pour être qui me tape dans le dos. Oui, j'ai qu'un shotgun. Bon, vous inquiétez. J'ai mes deux grenades. Ça devrait se faire sans trop de soucis. Non, pas de coffre sur celui-là en fait. Autant pour moi. Pas de coffre. C'est un normal. Je crois que ça allait être un mini boss, mais non. Hop là. Je crois que nous nous rapprochons du signal. Excellent. Réduisez donc un peu leur troupe au sol. Vous ne voudriez pas être suivi quand vous irez rétablir notre canal. Hop là. Non, 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 ça centurion classique. Voilà, donc au corps à corps. Tu ne sais pas quoi faire. Ennemi vaincu, 50%, d'accord. Non, tu me téléportes pas, s'il te plaît. Respecte-moi, respecte-moi. Non, merci. Voilà. Par contre, en termes de quantité d'ennemis, je ne vois pas grand-chose. Et tous ceux-là, ce sont sans doute des ennemis. En plus, pas de la bonne mission, si je puis dire. Où vous êtes? Les mecs, c'est tous les mecs. Normalement, je suis censé pouvoir rentrer dedans. Ah, c'est pas celle-ci dans laquelle je peux rentrer. Prendre le butin. Vers qui? On va quand même faire le test. Nous sommes à 50%. Ah, 67. Ah, bah si, c'est les bons. Bah écoutez, parfait, il y a un event en cours. Et comme j'y participe pas, ils sont pas méga offensifs. C'est cool. Bien, jetez un coup d'œil autour de vous. Oui. Tout doit être sécurisé avant de pénétrer dans la base de la Légion. Oui, pas de soucis. Dave, vous ne seriez pas en train de faire les corvées de Cade? Et moi aussi d'ailleurs. Absolument. Tu veux nous donner un coup de main? Non, non, merci. En fait, un truc vient d'arriver. Faut que j'y aille. Bonne chance. Forcément. Boum. Attends, j'ai plus de soin sur le pistolet, c'est pas grave. Du bleu. Boum.
Ça ne s'ouvre pas ici, pourquoi pas. Des munitions. Analyse de données. Je vois pas trop ce que je fais. Analyser la zone. Il faut que je passe par en dessous aussi. 52. Why not? C'est pas maintenant que je vais le finir, hein, le mec. 52. 52. C'est pourtant pas la réponse à l'univers. Non. Me téléporte pas, s'il te plaît. Je me casse le cul à faire 40 millions de routes. Voilà. Ça te va là ou pas? Ou je suis toujours à 52? J'imagine qu'il faut que je monte. Hop. On est trop fort. 52 toujours. 52. Encore. Bonjour. Oh mais alors toi, t'as tellement cru que t'allais me faire quelque chose. Ouais non mais attends, attends. Hop les, boum. Oh merde, t'as pas fini. Voilà. Mais du coup... Ok, j'aurai 52% quand même. Ça brille, non? C'est moi. Munition. Ah bon, on est toujours qu'à 52. Ah bon, j'ai un peu gâché, mais... Voilà, si tu continues à pop... C'est pas excessivement grave. Un molosse traverse la zone. Si. Ok. On essaie de comprendre, mais bon. Légionnaire décoré. Ok. Faut que je fasse quoi? Que je grimpe, non? Fouiller la zone, analyse de données, quoi. What the fuck? Non, c'est quoi ce bordel? Hop. 57. Wouhou! Ah non, faut que je reste sur le point, là, central média. Ah bah oui, d'accord, ok. Bon bah. Why not? Voilà, voilà. Bien, continuons. Vous êtes à la recherche d'un officier de haut rang de la Légion. D'accord. Ici le commandant Zavala, qui est sur ce canal. Devrim K, commandant, et notre gardien préféré. Ah, il s'agit du réseau de patrouille. Ça ne vous dérange pas si j'écoute? What? Je vous en prie. Merde, c'est un voyeur, Zavala. Merde. J'arrive. Oula. C'est rempli de verre, c'est joli. Ah, ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Ok. Voyager vers l'encre de la région, de la Légion. De l'encre de la région, ça ne va plus. Ok, bonjour. Oh, un engramme légendaire, cool. The bonne nouvelle. Oh merde. Oh, pardon, je devrais vous laisser faire. Non, non, continuez. Qui est là? Qui ose? Ah là, ça te l'a calmé celle-là, hein. Voilà, bref. C'est pas par là que je pensais aller. C'est par là la route ou... Accéder au terminal. 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 T'appelles ça un terminal, pourquoi pas. Utiliser les codes d'accès. C'est parti. Sympa le petit symbole. Les codes fonctionnent. Notre système de patrouille est de nouveau autorisé à transmettre. Oui. Tu peux pas. C'est de nouveau en ligne. Ok. Il reste encore à réactiver les balises sur le terrain. D'accord. Exactement. Dirigez-vous vers l'extérieur, s'il vous plaît.
Vous devez trouver une balise de patrouille. Ce sont de petits bâtons plantés dans le sol. D'accord. Génial. Je vais chercher les petits bâtons. J'ai que ça à foutre, hein. Heureusement qu'il y a l'engramme... merde, j'ai loupé le chemin. Non, c'est bon. Heureusement qu'il y a l'engramme légendaire qui est venu passer par là, parce que ça... Ça rentabilise toujours un minimum. Bonjour. Centurion, préparez les tortues. Ah merde, excuse-moi, j'avais pas vu que t'étais... Non, 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 Centurion. Boum, voilà. Je préfère quand t'es mort. Ok, d'accord, bon bah... S'il y a 40 km à faire, on va pas s'emmerder, hein. Hop là. Youhou. J'adore la gestuelle de ces véhicules. Honnêtement. Hop, c'est juste là. Ah oui, c'est... T'appelles ça des petits bâtons, moi j'appelle ça des bitonios, quoi, c'est pas des bâtons. Si vous voulez effectuer d'autres missions de soutien, gardez à l'esprit les balises de patrouille. D'accord. Je vois que le reste du réseau est de nouveau en ligne. Oh, génial. Vous devriez pouvoir voir les patrouilles sur toutes les planètes. Ah, qui parmi nous n'aime pas les infrastructures? En effet. Oh, et n'oubliez pas de saluer Cade de Valor. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que je retourne sur la tour pour aller reparler à Cade? Jalon mis à jour. Patrouille, terminé 3 missions de patrouille dans n'importe quel monde. C'est quoi le truc que j'ai chopé à droite? Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Ah non, c'était des icônes. Autant pour moi. Mais oui, mais les patrouilles, elles servent à quoi? Oh, j'ai encore des coffres ici. Wouah! J'ai encore des trucs à faire ici. Génial. Absolument génial, j'adore. Mais sinon, en train de me dire que les patrouilles faut que je les trouve un petit peu en mode au pifomètre. Parce que là le bitonio a disparu en plus, génial. Ok, ok, ok. Bon bah on va aller voir ce que c'est que cet engramme que nous avons chopé. D'ailleurs on passe là, juste avant. Terminé 3 missions de patrouille. Génial. Bah écoutez, on va se balader un petit peu, on va aller voir. Oh putain. Il y a un nouveau symbole là, regardez, vous avez vu? Ouh, une mission de patrouille! Non, 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 non. Hop, les voilà. Oui. Commencez patrouille. Qu'est-ce que c'est? J'ai détecté des allées et venues dans cette zone, mais la raison de ces mouvements m'échappe. Pourriez-vous aller voir? Je vais voir. J'aime bien comment il parle. D'ailleurs, on a trouvé une référence, excusez-moi, avec, alors avec Entrepôt, je sais pas si j'étais en vidéo quand je l'ai trouvé, où justement il parlait d'Hyperion, une station Hyperion. Donc moi j'ai pris ça pour une référence à Borderlands, hein, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Moi je trouve personnellement que ça a beaucoup d'impact. Borderlands, à mon avis, a eu beaucoup d'impact sur la création de Destiny. Bon, c'est mon avis. Reste à voir si je me trompe ou pas. Bonjour. Zone inspectée. Ok. La physique, tu lui as dit fuck sur ce coup-là, hein, j'ai bien vu. Fait mal. Gros débilos. D'accord. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette grotte? Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Donc là il y avait un coffre, mais je me rappelle pas de ces trucs là. Et donc j'attends, c'est ça le principe? J'attends que les choses se passent. D'accord, en fait la patrouille c'est
tout simplement tourner dans une zone. Et atteignez-la et gardez-la suffisamment longtemps, je sais pas, non, un peu de répit. Mission de relever. Ouais. Respecter. Nous avons trouvé ces données tant recherchées et elles sont en route pour le domaine. Bon travail. Et donc, c'en était une? Ok, bon, on va faire les trois, hein, tant qu'à faire. On est ensemble, chers amis, on en profite. Et oui, comme ça, je ne suis pas mort. Surtout ça, le principe. What? Attends, c'est quoi ça? Je me fais tirer dessus. J'étais en train de faire du thé quand on m'a informé de ce problème. Ça ne vous dérange pas de vous en occuper? Nouvel objectif, au trouble, ennemi vaincu. J'y suis ou... J'y suis. Vendu. Les cabales ont fait venir un atterrisseur de forage renforcé. Ça doit vouloir dire qu'ils veulent mettre la main sur des ressources. Si t'as pas le courage de m'affronter, par contre c'est ton problème, hein, pas le mien. On se mette d'accord sur ce sujet-là. Je suis mauvais là. Voilà, 60%. Et j'imagine que si je m'attaque à ces... Raclure de bidet, pardon. Cette expédition minière cabale devrait être lourdement armée. Soyez prudent. Et voilà, ça augmente, mais voilà. Et voilà le travail. Eh, Livry et Osorn, vous voulez qu'on recommence pour que vous puissiez prendre quelques notes? Oh, il taunt tellement bien en plus. Alors ça, c'est une ressource. Ah non, c'est pas une ressource. Ouah, comment il y a plein d'icônes qui se ressemblent en vrai. Ont du matériel qui ne leur appartient pas. Ouais. Allez leur reprendre ce qui est à nous. Oui, madame. Où est-ce ? Objet récupéré, pollution invisible. Oui. Mais encore. Parce que si au passage je peux faire l'event, il n'y a pas de souci. Bon, faudra éviter de crever bêtement, les mecs. Allez, on peut le faire. Si on peut profiter de l'event, honnêtement. J'avais oublié qu'il était automatique. Voilà. Je vais aller les aider un coup parce qu'ils ont l'air d'en chier. Là. Voilà, problème résolu. Et nous on récupère le butin. Franchement, si c'est pas ça qui compte, je sais pas ce qui compte. Dibénia. Le coffre. Merci. J'ai entendu ces explosions d'ici. Bon. Qu'est-ce que c'était ? Coucher le chien. Le chien. On met où? Comment faites-vous? Je suis impressionné. Toi tu dégages, c'est mon lieu de quête. Honnêtement, c'est mon lieu de quête. Voilà. C'est mon lieu de quête. D'accord, même eux les lâchent. Why not? Oh. Ah. D'autant plus rapide comme ça. Hop. Il y en a encore un. Il y en a encore un pas loin. Il vise aussi bien que moi, c'est cool. 8 sur 10. On y est presque. Vous savez quoi? On va céder un petit peu.
cédé à la facilité d'ailleurs, on peut le dire. Oh. Et donc là, est-ce que je peux les récupérer? Ouais, en plus je les récupère comme ça, mais si c'est pas génial. Voilà. Donc voilà, donc là en fait ce qui vient de se passer c'est que je viens de finir à la fois l'émission. Alors je vais essayer de vous les montrer. L'émission du lieu, qui sont ici. Non, tu ne veux pas. Alors l'émission du lieu qui sont ici, voilà. Et ensuite on va aller voir Cade maintenant. Pour qu'il puisse nous donner tout simplement les le jalon de. Enfin le. Oui le comment. Valider le jalon de cette semaine. Faut savoir que tous ces jalons-là, normalement, si je me trompe pas, sont reset chaque semaine. Voilà. Un peu comme la nuit noire, un peu comme les défis, il me semble, d'Ikora aussi, je crois. Les méditations, pardon, tout simplement. Voilà, pour l'information. Pour la partie lourde, un petit peu. Ah oui, j'ai changé la cam de sens. Pourquoi? Comme ça, vous pourrez voir le loot arriver à droite de l'écran, tout simplement. Vu qu'on est en endgame, c'est peut-être un peu mieux. Surtout qu'à gauche, il n'y avait pas grand-chose qui apparaissait, en dehors, parfois, du spectre. Allez, on peut aller se poser, s'il te plaît? Merci. Je me suis pas planté d'endroit. Merde. Non, c'est bon. J'avais pas reconnu la zone. Alors, on va quand même aller prendre d'abord. Une transaction à faire, gardien? Hop. Allez. Merci. Ceci, donc vous voyez qu'il est 265, 270, donc forcément, celui-là. Donc ça, je vais garder ça, forcément. Là, pour le coup, c'est obligatoire. Là, ça, je peux le virer. Là, ça, c'est plus faible, je peux le virer aussi. Là, pareil, je peux le virer. Et ça aussi. Crac. Parfait. Allons voir... Oui, il est au hangar, pardon, excusez-moi. J'ai eu un doute, je me suis en train de me réfléchir. Qui c'est qui était au hangar déjà? J'ai en train de penser au mec de l'Astromor, à la guerre du futur, à la future guerre ou je sais pas quoi. Enfin bon, mais il y est bien, parfait. On va retrouver Cade. Cade 6. Cade, ça va? C'était pas trop dur le boulot? Bon, c'était bien sympa, mais cet endroit n'est pas assez grand pour nous deux, gardien. En gramme crypto. Ouais, vous allez devoir partir. Ah, je vous taquine. Ne vous inquiétez pas. Non, mais sérieusement, vous devez y aller. D'accord, chaque j'y vais. Cette semaine, je vous indiquerai les zones où l'ennemi est le plus actif. Et c'est vous, mon ami, qui m'aidera à les arrêter. Le voilà. Appel... C'est bien ce que je disais, donc c'est chaque semaine, en fait, il va nous balancer un event. Alors, du coup, est-ce que ça l'a réinitialisé? Ça l'a réinitialisé. Cool. Cool, cool, cool. Et donc, ces engrammes, alors voilà, au passage, je finis sur ça. Ces engrammes puissants, ces équipements puissants qu'on peut voir. Donc on peut voir qu'il y a le légendaire, le rare, il y a aussi l'exotique en jaune, mais là il y a du puissant. C'est aussi très particulier. De toute façon, le temps que les vidéos sortent, je pense qu'on en sera à la semaine prochaine. Du coup, je ferai celle de la semaine prochaine en vidéo. Et je vais me débloquer celle-ci, avant tout pour moi, pour pouvoir continuer à progresser et atteindre le plus haut niveau possible. Là, actuellement, je suis à... combien? 265 de puissance. C'est pas mal. On peut faire mieux. Donc on va faire mieux. Et on va se démerder pour ça. Pouvons-nous commencer ? Oui, j'aimerais que tu me débloques ça, s'il te plaît. C'était naze à chier. Au revoir. Voilà. Je vérifie quand même au cas où que j'ai rien d'autre. Voilà, j'ai rien d'autre. Ok, on est bon. Voilà. Moi, je vous laisse les amis pour cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus sur d'autres aventures. Salut les gens et yop !